Cette époque définie par la médiocrité doit s'éteindre. Vous avez été convoqué ici pour une seule raison, participer à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Comment ne pas être révulsé à la vue de ces milliards d'insectes qui se bavent de programmes pitoyables? Nous nous précipitons vers le néant. La culture se disloque, arrachée d'un passé si glorieux pour se vautrer au niveau d'hommes incapables de brio. Et c'est ce contre quoi lutte notre organisation. La décrépitude de notre société n'est pas une fatalité. Avec votre aide, elle retrouvera bientôt tout son éclat. Comment ? Nous voulons établir un processus que nous nommons la remise à niveau. Chaque personne serait évaluée suite à une batterie de tests et serait située sur une échelle. Elle serait ensuite, en fonction de son niveau, établie dans une aire géographique avec les autres personnes arborant les mêmes capacités. Vous comptez adapter le contenu audiovisuel auquel chaque zone aura accès en fonction du degré de connaissance de ses habitants? C'est pas tout. Le système d'éducation sera également remanié dans cette perspective. C'est logique. Ajuster le flux d'information à la compréhension qu'on a du sujet, c'est s'adapter à leur rythme d'assimilation. Leur progression vers le savoir s'en verra largement optimisée. Nous sommes d'avis que l'esprit s'en bat. Il est temps de refaire nos apathiques contemporains, les savants qui manquent douloureusement à notre modernité. Et qu'adviendra-t-il des familles, des ménages qui sont séparés par les autres? Peu importe! Au mieux, la souffrance motivera les plus faibles à s'instruire pour rejoindre les leurs. Le gouvernement est-il... Au diable, le gouvernement! Il est responsable de ce qui arrive maintenant! Alors nous préparons le grand changement en souterrain, et nous l'imposerons au monde, quoi qu'en disent les politiques. C'est pour le bien de l'humanité. Je ne suis pas sûre de vouloir continuer cette conversation. Si vous voulez m'excuser. Vous seul détiendrez les pouvoirs exécutifs et législatifs dans le prochain monde. Qu'est-ce que ça signifie? Vous n'êtes pas une sénatrice sans mérite. Votre carrière est remarquable. Acceptez nos aider et nous vous confierons la gestion complète des lois une fois le nouvel ordre établi. Si j'acceptais, que devrais-je faire? Soyez notre lobbyiste. Faites plier le Parlement en notre faveur. Assez pour que nous puissions prendre le pouvoir sans trop de vagues. Quant à vous, nous aurons besoin de vos talents pour constituer les tests. Il nous faut des indicateurs fiables qui scannent l'intellect du moindre sujet. Tout cela est stimulant. Mettez-moi à disposition le meilleur de vos laboratoires et une dizaine de subalternes. Un scientifique de mon envergure doit avoir les moyens de ses ambitions. Et je suppose que vous comptez sur moi pour délimiter les réseaux de communication à travers les différentes zones. La programmation des émissions radio-téléphoniques diffusées serait également votre sort. Qu'on soit bien clair, je me fiche totalement de vos intérêts. Je suivrai le plus au front. Si votre cachet ne dépasse pas celui de la CIA, vous allez vous retrouver avec une flopée d'agents secrets dans vos bâtiments. Vous avez conscience que nous menacez sur notre terrain n'est pas dominant. J'ai bien plus d'influence avec ce simple ordinateur que vous n'en aurez jamais. Vous serez rémunéré le double de ce que ces ordinateurs d'agents vous versent. À vue de nez, tout sera prêt dans un mois et demi. J'attendrai votre feu vert, madame. Et vous? Et moi quoi? Vous croyez vraiment que ces abrutis organisations me mettaient de proposer un poste? Ne suis-je pas aussi misérable? Soyez déjà satisfait d'avoir une échappatoire. Vous connaissez les termes du contrat. Vous nous aidez à mettre en place une défense contre les récalcitrants durant la mise en place du régime et toutes les charges contre vous seront abandonnées. Alors c'est ça votre nouvelle ère? Engager les criminels, puis le disculper s'il avait une intention violente. La voie du progrès, n'est-ce pas? Rien n'assure qu'il n'y aura une opposition. Vous êtes notre mesure de précaution. Et notre but ultime dépasse les enjeux des particuliers. Mais vous avez peut-être des idées à nous soumettre, puisque vous semblez remettre en question notre façon de faire. Eh bien, figurez-vous, bonne journée. Votre projet de vie est absolument stupide. Vous parlez d'un gouvernement en collaborant, alors qu'il voudrait le faire imploser, semer le trouble, fragiliser, porter le coup de grâce. Il n'a pas tort. Si le pouvoir est désorganisé, la marge d'action est bien plus large. Nous n'avons pas étudié la question. Nous pensons plus approprié d'introduire progressivement. Il faut qu'on porte les zones de grillage électrique. Que les individus soient enfermés dès leur niveau établi. Enfin, appelons cela plutôt leur palier. Nous escomptions démarrer l'expérience à l'échelle d'une ville avant de lancer le plan total. La séparation ne sera pas suffisante. Vous voulez qu'ils se cultivent et punissez-les lorsqu'ils ne savent leur pas. Mais notre but est de les faire progresser. Créer des schémas comportementaux, associer la vulnérabilité à la douleur, ce sont les bases du dressage.
Nous pourrions mettre en place un système d'examen hebdomadaire afin de vérifier si chaque sujet a bien assimilé ce que nous lui avons fait voir. Que personne n'y coupe, l'examen serait projeté en direct, en hologramme, avec une puce implantée dans le sujet, dans les premiers tests. Il va sentir que l'or en dégagant cet examen, parce que l'amende. Vous êtes hors sujet, revenons au projet initial. Les amendes? Vous devons gracier de riches avocats? Bien sûr que non. Il faut instaurer un châtiment corporel auquel personne ne pourra s'opposer. J'avais élaboré des instruments à l'époque, mais on les avait retirés. La preuve que le monde actuel est fondé sur de mauvaises bases. Pour prévenir de toute rétivité, placez des caméras dans chaque maison. En respectant la vie privée, bien sûr. Bien sûr que non, c'est inadmissible. Votre travail, tout bien réfléchi. Pourquoi tu n'es autonome quand je me sens si minable? Il y a sûrement une partie en train qui ne pourra jamais attraper son retard. Il y a toujours une part de la population désespérée. Nous pourrions sans doute créer une cause exceptionnelle et pouvoir une zone spécifique pour ce genre de cas. Ils seront sûrement détectables dès les premiers tests. J'établirai un seuil en dessous duquel les gens sont envoyés dans ces camps spéciaux. Il faudra empêcher tout contact entre les cas spéciaux et les autres. Ils pourraient les contaminer. Que d'ennui cause des inaptes. Mais pourquoi se donner tant de mal? Vous avez raison. Cette histoire de camp spécial ne rime à rien. Merci, je pensais vous avoir perdu. Il suffit de les éliminer. Ça sera bien plus rapide. Rien de sauvage. Juste une sélection naturelle qu'on leur a un peu aidé. Vous êtes foyer! Votre but ultime dépasse les intérêts particuliers.